judiciaire. Alors, comment vous expliquer? Cet homme a de gros problèmes, de gros problèmes psychologiques. Et je me demande, moi, la question, pourquoi les gens, d'ailleurs, lui disent de se la fermer, tout ça, il continue, pourquoi les gens ne font pas venir la police? Pourquoi les gens ne disent rien? À part si, de lui dire de la fermer, mais voilà. Donc moi, j'ai décidé de ne plus faire venir la police. Par contre, je vais avertir la police, je vais dire dans quel immeuble il habite, et d'avertir, car il est plus que agressif, cet homme. En plus, souvent, il vient me chercher, il vient m'embêter. Moi, j'ai dit d'arrêter. Et il continue. Des fois, c'est jusqu'à minuit, hein. Ah oui, en minuit passé même. Et qu'est-ce qu'ils attendent, les gens? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'on subit ici quand même? Soit disant que c'est un coin tranquille, je vous garantis que non. De toute façon, c'est un homme dangereux. Ah, ma voisine qui sonne. J'arrive.
Mais voilà, ma voisine est venue sonner chez moi pour savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi ce mec gueule et tout. Mais écoutez, il y a des gens comme ça. Ben, les autres, ils ont qu'à appeler la police. Moi, j'en ai marre, c'est pas toujours à moi de le faire, quoi. Hein? Les autres, ils sont pas contents, qui gueulent, et ben, ils ont qu'à faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc là, il est 22h28.